Alors bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Urban Empire. Donc on s'était arrêté où maintenant, ben voilà, on est un peu en positif, je vois. Ah oui, c'est vrai, c'est ces touches-là. Alors, donc on va revenir ici un peu, on va un peu avancer. Allez, on est en positif, donc ça c'est cool. J'espère franchement qu'on va pouvoir revenir en positif parce que là, moins 10 millions, ça va être compliqué quand même. Hein. OVNI. Il y a 3 mois, des randonneurs ont prétendu avoir des soucoupes volantes dans la montagne. Dans la foulée, d'autres témoignages ont été apportés mentionnant des lumières et des objets étranges dans le ciel. Certains disent qu'il s'agit des appareils militaires étrangers et d'autres pensent qu'il s'agit des traîtres. À votre avis, des militaires américains. Bon, nombre de membres du Parti communiste, je pense que vous avez tout à fait raison. Alors, l'abandon des lois contre l'homosexualité, ça avance. Ah ouais, ok. Ah ouais, mais on est en plein dans le communisme, c'est pour ça. On va solliciter. Celui-là. Voilà. Et peut-être aussi celui-là. Voilà. On va quitter, on va voir un peu où ça va avancer. Alors. Niveau financement. Imposition. Alors, 44%, ok. Et là, je crois qu'on peut même aller jusqu'à 30%. Ah ouais, on a un problème avec les arbres, là. Enfin, il nous faudrait des arbres. Oh là, oh là, oh là, tiens, c'est négatif, c'est pas cool, ça. Alors, on va peut-être aller ici. Les élections municipales approchent. Modifier le quartier. Alors, si on ajoute juste un service qui est un parc. Hop, confirmer les services. Proposer le quartier. Utiliser les fonds propres. Ouais, voilà. On investit nous-mêmes comme ça. Voilà. Bon. Encore des extraterrestres. Ces histoires d'extraterrestres n'en finissent plus. À Kaiserschaffen, un agriculteur prétend qu'ils ont dessiné des cercles dans des champs. Beaucoup de gens le croient et la presse pense qu'ils sont l'œuvre de créatures venues d'un autre monde. Il faut mettre un terme à ces bêtises. Ah bah oui, c'est des vraies bêtises. Alors, donc on est là. Bon, j'espère que ça va augmenter. Ouh là là là, on va être en négatif. Ah non, juste pas. Les années 60, normalement, on devrait. Parti communiste remporte les élections. Avec combien de pourcents? Vote pour un nouveau maire. Ok, ils votent tous un nouveau maire, ça c'est pas cool. C'est ça, hein? Ah non. Ah non, ils veulent tous moi. Ah, c'est cool. Merci. Bon, en espérant qu'on... Ah, mince, mince, mince. Ok, plus 10 000. Ok, la loi contre l'homosexualité va être votée. Alors, ici, donc, le Parti communiste... Spoutnik. Ah, bah oui. Le monde a découvert une avec super science, Spoutnik, le satellite artificiel soviétique qui est le tout premier objet mis sur orbite par l'homme. Ça signifie-t-il que l'Union soviétique est en avance technologique sur l'Occident? Les États-Unis les rattraperont vite.
plus proche avec les États-Unis d'Amérique. Ah oui, c'est vrai qu'on devrait peut-être voir les accords commerciaux, mais on peut pas. San Francisco alors? On va pas jumeler parce que ça coûte de l'argent. Et on n'a pas de l'argent à dépenser. Il faut qu'on rembourse ici notre. Qu'on rembourse tout ça. Ça va pas. Ok, donc. C'est fou, quoi. On a un qui est contre et. Enfin, deux qui sont vraiment contre. Ok. Et cette partie-là. Pour le moment, je n'avais pas émis les conseillers. Bon, bah écoutez, on va voir. Hein. Ouais, ok, on a perdu, c'est sûr. Rejeter la décision. Ouais, non, mais ça, je ne vais pas faire, quoi. Je n'oserais pas. Surtout que c'est principalement le communisme, 37% du communisme. Donc, je vais pas me faire des ennemis, quoi. Surtout maintenant que je vais être élu à nouveau. Donc, c'est bon. Hop. C'est bon, je suis toujours maire. Sauvegarde réussie. Ouais. Ouh, non, non, 4000, ça c'est bien. Et pas prendre proposer que les lois contre le CD soient annulées. Soutenir ou non. On va soutenir. Hein. Ça reste d'actualité. Ok, c'est cool, on gagne de l'argent. Ça c'est bien. Alors, ah, c'est peut-être ça les années 60 alors. Ouh, intéressant tout ça. Il est désormais tout à fait possible Maternité. Il est désormais tout à fait possible pour une d'éviter de femme tomber catholique enceinte d'éviter de pendant tomber qu'elle est enceinte en en faisant appel aux Même mathématiques, s'il est mais est toujours toujours interdit de faire nécessaire appel à la d'aller à la physique ou à la physique chimie. ou à la chimie. Alors, on est à l'ère 4 et on ne peut encore rien débloquer de l'ère 4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Électroménager, métropolitain, les métros. Ah. Transport automobile, mais ça j'avais déjà fait. Hein. Opinion publique, antibiotiques. On va faire électroménager. Voilà. Alors. Bon, mais c'est cool. On commence à nouveau à être en positif. Donc, ça, c'est vraiment bien pour nous. Éloge. Le président du parti passif fait votre éloge dans un entretien avec les gens. Qu'en dites-vous? L'appelez pour échanger des politesses. Et content de savoir que vous l'aimez lui aussi. C'est cool ça. Ils ont 4%, mais c'est toujours ça. Alors. Est-ce qu'on sait voir les soucis? Soutien du parti. Eh bien, vous savez quoi, on va investir dedans avec des nouvelles infrastructures, comme par exemple un tramway. Des lampadaires, ça peut être pas mal. Des égouts. Allez, on va confirmer en espérant que ce sera accepté. Plus ou moins, je crois. Allez, on va faire vote prioritaire. Entame discussion. Ok. Particulier, c'est aussi le parti modéré. Alors, ici, à 15 ans de papier, de pompier. On va soutenir encore. Bon, voilà. Alors, l'école professionnelle.
Ah, ils sont prêts à voter. Ok, bon. Alors, c'est 50-50, je crois. Ben, on va directement voter, je crois. Ouais, je crois qu'on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Yes. Bon, on gagnera moins d'argent, mais au moins les gens seront plus heureux ici. Ah ouais, donc. Et donc il y a les lampadaires, donc ça c'est vraiment intéressant. Voilà, les gens, je crois qu'ils vont. Il va y avoir un peu plus de bonheur, j'espère. Est-ce qu'on s'est vraiment pas analysé? Donc, ici à 46%. Entreprise. Niveau. Demande. Revenu. Ok, donc on a quand même plus de revenus que de dépenses en scarté, donc ça c'est bien. Ici, on a beaucoup plus de dépenses que de revenus. Là, plus de revenus. Et ici, également. Ça, c'est bien. Alors, je propose qu'on investisse peut-être aussi ici. Je crois qu'on va modifier le quartier aussi. Alors, capacité routière. On ne peut pas l'augmenter. Et ici, on ne peut pas mettre. Ah oui, non, on va mettre l'électricité. Voilà. Tramway ou ligne de bus. Ligne de bus, ça coûte 41 000. Et le tramway, 31 000. Bon, bah, je vais faire ça. Hein. Hop, et lampadaire. Voilà. Et un réseau téléphonique, au moins. On va faire ça, on verra bien. Hop, confirmé. Et on va également confirmer. On va proposer le quartier. Aïe aïe aïe, je le sens mal, mais on verra bien, je crois. Accusation de fascisme. Prétend que vous êtes fasciste. Contre le fascisme. Pense qu'ils ont peut-être eu tort à votre sujet. Ah, bien ça. C'est cool, j'ai un bon soutien. Allez, on est à 5 000 ici, donc ça c'est cool. La loi contre l'homosexualité va bientôt être revotée. Alors, modifier le quartier. Donc la balance est plus à droite. Hein. Donc on va solliciter les partis. Alors, communistes, c'est bon. Eux. Ça profitera aux citoyens les moins aisés. Ouais. Ok. Parti chrétien. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser ça? Ce que la plupart des citoyens veulent. Vous n'êtes pas vraiment certain que les citoyens pensent comme vous, mais certains des conseillers semblent enclins à croire. Ok. Et ah mince. C'est embêtant que c'est pas revenir en arrière. Voilà. Et eux, pourquoi est-ce qu'on peut pas leur parler ou quoi? Bon, on va commencer le vote, on verra. Bon, j'ai peur, mais normalement ça devrait aller. C'est bon. Ouf. Donc on a pu modifier le quartier. Ça, c'est cool. On a fait des dépenses en plus, mais au moins on a. Ah ouais, mince. Oula. Zut, zut, zut. 20 000. J'espère que. Ok, ça va. À remonter. C'est joli comme ça, un petit flou. Sympa. Les femmes et la technologie. Ah, les femmes et la technologie. Vous ne vous sentiez pas à l'aise dans l'informatique, non pas à cause des ordinateurs, mais à cause des gens. Les femmes sont rares dans ce domaine et certains de vos collègues pensaient même, que vous n'aviez rien à faire là. Ils mettaient constamment en doute vos compétences et faisaient des boutades désobligeantes sur le cerveau des femmes. Tout ça, bien sûr, quand ils n'essayaient pas de vous toucher sans votre consentement. Qu'avez-vous retenu de cette expérience? Pris conscience des inégalités. J'ai pris conscience des inégalités. Alors, la loi contre l'abandon. Oh, mais c'est fou quoi. Va exiger. Bon, on va tester, on verra bien. Pour moi, c'est. Ah merde, non. Ça ne marche pas. Bon, ben c'est pas grave. Hein.
Il faudra faire avec pour le moment. Le parc de l'amour. Parc est un lieu prisé pour les étudiants et les jeunes en général, notamment les jeunes couples. Mais les personnes âgées n'aiment pas beaucoup et se plaignent qu'il s'agit d'un lieu d'indécence et d'ivresse publique. La police devrait chasser les jeunes, ne rien faire. Jeunes vont être contents quand même. Les seniors moins, mais bon. Hein. Le parent, tout le monde content. Et les jeunes, c'est l'avenir. Parti communiste remporte les élections encore une fois. Ah, de moins en moins. Vote pour un nouveau maire. Ok, donc ça arrive, ça commence à arriver. Alors, eux, c'est bon. Alors, on va aller espionner eux. On peut pas les. Voilà, on va espionner. On va également les espionner eux. Et voilà. Est-ce qu'on peut, on peut pas discuter avec eux? Non. Bon. Ok. Bon, ben ça va, on commence à arriver. Alors, le théâtre. Ok. Accusation de fascisme. Je suis contre le fascisme. Ne tue pas, Ah. laissez notre machine à laver fermer. Alors. On a ça. Je propose qu'on fasse peut-être le métro maintenant. Ou la télévision. On va faire le métro. Quoique, on va faire la télévision. Je crois que c'était en 69 ou en 68 qu'on a atterri sur la Lune, je sais plus. Les avancées se succèdent sans arrêt, il est difficile de savoir lesquelles affecteront durablement nos vies et lesquelles tomberont dans l'oubli. Depuis peu, l'administration de la vie, essaie de, c'est plutôt de la ville, je crois, essaie de trouver lesquelles seront les plus majeures. Sans danger, les phares passés électriques, les aspirateurs. Tout ce qui peut régler les problèmes d'embouteillage. Non. Alors, ce sera plus les. Les fers à repasser, je crois. Ouais. Alors, on vote bientôt pour le nouveau maire. J'espère que j'ai plus ou moins un soutien de tout le monde. Un saut du Parti chrétien-démocrate, mais regardez ici. Plutôt bon. Alors. Ouh, mince. Ouais, c'est pas cool ça. Alors, eux. Un avenir meilleur. Ok, c'est cool, ils me soutiennent. Pourquoi est-ce qu'on peut pas faire ça? Je comprends pas. Ça profitera au soutien moins aisé. Ok. Pas. Et eux, on va exiger qu'ils soutiennent de fait les communistes. Ok, bon, bah on va voter. Je crois que je serai plus en positif, mais ouais, ça sera limite, mais je passe, je crois. C'est bon. Parfait. Ok, c'est reparti. Bon, on est à plus qu'à 5 000. On est en fait, j'aurais peut-être pas dû faire les investissements, mais que là, bah, on est plus qu'à 50 000, donc. Allez, on va soutenir encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment en soutenant les entreprises? Éducation des enfants. Vous avez épousé votre petite amie de longue date, Nicolas, et avez donné naissance à Eduardo.
Pendant votre enfance, votre mère a passé le plus clair de son temps à travailler et à lire. Vous savez que l'éducation des enfants a toujours été douteuse dans votre famille. Comment allez-vous élever un vous serez plus présente comme vos parents vous ont élevé? Je serai plus présente, on va dire. Ferez en sorte de passer mes temps avec Eduardo et que votre famille ait une vie sociale. Mondain. Oui, on est en négatif. Merde, merde, merde. Pourquoi est-ce qu'on est en négatif? Non, allez, on t'est bien remonté, justement. Wow. Une grosse crise ou quoi? Ah là là là. Bon, je trouve que, franchement, des fois, je trouve ça un peu aléatoire ce jeu en fait. C'est vraiment bon, ben, des fois c'est comme ça, des fois pas. Je comprends pas trop vraiment en fait. Il est cool, mais voilà. On est en négatif. Et voilà, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre en attendant. Attendre. Que ça remonte. Créer un nouveau quartier, je pourrais pas. Nouvelle institution pour une nouvelle université. Tester, hein, mais je crois pas que je pourrais. Voilà, ils sont tous contre. Un tribunal, on va le remettre là. Ils sont tous contre. Donc voilà, là il faut vraiment être. On attend. On fait tourner. Ah, au moins on retourne en positif. Déjà ça. Télévision. La télévision est la dernière invention à la mode. L'administration de votre ville réfléchit à la meilleure manière de l'adopter. On va faire un outil pour contrôler la population, on va faire un outil pour informer la population, on va faire un outil pour relier les gens entre eux. Informer la population. Alors, ok, donc ça c'est quoi? Protéger le bâtiment. Dents sur la table. Vendredi dernier, un conseiller municipal du parti modéré a pris du bon temps au bar. Il a été vu en slip en train de danser sur une table. Naturellement, votre assistant était là et a pris les photos. On va garder les photos pour nous. Allez, on est en nouveau négatif. C'est pas cool ça. Les élections municipales approchent. Alors, 24% le communisme et chrétien démocrate 21%. Une fois voir. Hein. De toute façon, là j'attends. Alors, inventons de la loi. Contre l'homosexualité. Ok, je crois qu'on passe en positif, les années 70. Hein. Ok, c'est bon. Dépénalisation de l'homosexualité. Ça y est, on y est arrivé. Enfin, après trois votes consécutifs, on y est arrivé, donc ça c'est bien quand même. Par contre, je me demande si. Parti communiste plus 3 d'accord. Chrétien démocrate et central en négatif. Ok, donc ça il faudra faire gaffe parce que si eux ne me soutiennent pas. Ok, mais ils me soutiennent apparemment. Donc ça va. Alors. Ça revient ici. On remonte hein, là tout doucement. Par contre, ici, on n'arrive La pas. télévision est une menace que tout le monde Alors, on adore détester, va mais dont personne débloquer. ne peut se passer. Ça, c'est pas mal. Hein. Loi sur hygiène restaurant. Et ici, le métro. Le nylon, santé publique,
Asile psychiatrique. Et dans l'ère 4, qu'est-ce qui serait intéressant? Les satellites Yuri Gagarine. Transplantation d'organes, solidarité, plastique, jeux vidéo. Ah, ça c'est intéressant. Surtout que je suis sûr que il y aura plein de choses. Et pour ça, il faut débloquer l'informatique, je suppose. Ordinateur personnel. Incubateur d'entreprise. Ah, ça c'est pas mal. Affaires médias de masse. Ça peut être bien ça. À présent, nous proposons que la durée d'une journée de travail soit fixée à 8 heures. Tout employé dépassant cette limite devra recevoir une compensation financière. Qu'en pensez-vous? Alors, il n'y a que des effets positifs. Écoutez, sont tous pour. Communiste décent, parti modéré. Ouais. J'ai le soutien par qui? Modéré, j'ai. Chrétien-démocrate, non, mais ça va. Alors, vote pour un nouveau maire. Ok, je suis bon. Oh, lui, il me soutient plus. Bon, ils sont 6, donc ça va. Mais bon. Ok, bon, ben on continue à être réélu, ça c'est bien. C'est vrai que peut-être ça aurait été pas mal de vraiment faire une sorte de débat entre guillemets politique où je crois que ça aurait été mieux de pousser un peu plus là-dedans en fait. Oula. Parce que là en soi c'est juste vote pour moi s'il te plaît, ok, voilà. Alors que si on a des sortes de débats, ça pourrait être vraiment cool. Ah. On revient au positif. Il y a une demande commerciale qui augmente. Allez, 23 000. Allez, yes, c'est bon. On est de nouveau en positif. Mais vous voyez, ça c'est totalement fou quoi. J'ai rien fait, mais vraiment rien. Hein. Et voilà, on va juste en positif. N'y a rien qui a un impact. Enfin, je vois pas l'impact, comment ce que ça peut. Je sais pas, je comprends pas. C'est vraiment bizarre. Les petits métros. Écoutez, on arrive à 28 minutes de vidéo à peu près, donc je vais arrêter la vidéo maintenant. J'espère que ça vous a plu. Récession frappe le monde entier. PIB des quoi? Oui, on va avoir une crise. On va faire sur pause maintenant, on verra ça après. Au prochain épisode surtout. Donc voilà, j'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao!